c'est plutôt 52, et il a fait quelques petits boulots. Donc l'un des boulots qu'il a pu faire, il a écrit et corrigé des coquilles dans le monde, pas le monde diplomatique, le monde libertaire, qui s'appelait Le Libertaire à l'époque, qui était le journal de l'organe de la Fédération anarchiste française. Alors il a signé pas mal quelques articles, et donc il avait un penchant autour de l'anarchisme, on va dire, ou une forme d'individualisme libertaire. Alors on va faire débat ce soir. C'est un peu compliqué, puis ils sont trois, c'est comme les trotskistes, ils sont trois, mais il y a quatre courants en présence. C'est pire que les écolos, c'est l'enfer. Donc du coup, bon, il y a les mollos là-dessus. Par contre, il y a une seule de ces chansons. Monsieur, je ne peux plus vous faire gagner de 10, je tringle la rideau, donc laissez les autres réfléchir un peu. Hein, parce que, il y a une seule de ces chansons où le mot anarchie apparaît. Parce que certains le savent. Le mot anarchie n'apparaît que dans un seul de ces titres. Oui, bien joué. Et le niveau soir, on n'a pas rempli, mais le niveau. Tu m'as trop de poterie. Marché de Rive la Gaillarde, à propos de votre pognon, quelques douzaines de gaillards se traitaient un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, surtout les cieux sont vergognes, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de brosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se relèvent sur les guignols. Mais de même, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de se combler, moi je bichais car je les adore. Sous la forme de mancarré et de l'invensable, je récite, j'excite les farouches rats, des légères gendarmissimes, en criant et puis pourra. Frénétique, une belle attache, le vieux maréchal des logis, et lui fait crier mort aux vaches. Mort aux droits, vive l'anarchie, une autre four avec rudesse. Un de ses lourdeaux, entre ses gigantesques fesses, qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matra grand coup de mamelle, ce qui passe à sa portée. Il tombe, et sans un tapis compétent, il paraît que c'est éclatant, la plus belle de tous les temps. Juge enfin que leur victime avait eu leur bon temps d'oignon, ces furies comme crasse ultime, en retenant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose, me dire tellement c'est bon, qu'aurait même coupé les choses, par bonheur, il n'en avait pas, qu'aurait même coupé les choses, par bonheur, il n'en avait pas.